Bien bonjour à tous, ça regarde pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des soins, mais attention pas les soins continus mais les soins instantanés. La différence avec les soins continus c'est que ben justement il est instantané, il est immédiat sur tout le monde. Forcément le seul problème c'est s'il y a un debuff, blocage de soins de 50% ou de 100%, et ça c'est un autre sujet. Au niveau de la différence également, c'est qu'en fait les soins continus c'est un buff qui peut durer plusieurs tours, donc ça c'est l'avantage, mais le mauvais côté, c'est que ces buffs-là, ils peuvent être volés, donc carrément, au lieu de vous soigner vous, ça va soigner l'adversaire, ou ils peuvent être retirés, en inverse. Donc voilà, donc ce sont les limites, et aujourd'hui, donc on va parler des soins instantanés. Comme d'habitude, c'est des vidéos sur ce type de vidéo avec des sortes de tier list de rares, et uniquement de rares, pour les early et mid game. Parce que c'est plutôt ce genre de personnes que j'ai tendance à aider sur la chaîne YouTube. Bien sûr, après, on pourra parler des épiques plus tard, ou sur les lives Twitch, parce que je fais des lives le mardi matin, mercredi, après-midi et jeudi soir, donc n'hésitez pas à passer, on peut en parler là-bas. Au niveau de la liste, à la base, il y a 8 personnes qui sont capables de faire des soins instantanés intéressants en zone, pas en solo. Mais parmi ceux-là, je vous en ai sélectionné que 5, pour vous faire une tier list avec ces 5 là, 5 qui sont intéressants, qui peuvent être intéressants à monter, notamment pour les factions, mais également sur les donjons, parce qu'on voit de plus en plus de gens qui veulent faire des teams free to play ou entièrement avec des rares, juste pour le défi de réussir des donjons 20 avec ces champions là. Donc on va en parler et on commence directement avec en tribu au green le broyeur de rouage. J'en ai déjà parlé sur les résurrecteurs. Le broyeur de rouage, c'est affinité néant. Et il a l'avantage de soigner tous les alliés à hauteur de 15% de leur PV max à eux. C'est-à-dire que si vous avez un tank avec beaucoup de PV, il va beaucoup soigner, oui. Mais si vous avez un personnage attaque avec peu de PV, bah, il va peu se soigner en fait. Parce que ça sera vraiment 15% de ses PV à lui. Et c'est pour ça qu'il n'est qu'en 5ème. Ça a 3 tours de cooldown, ce qui peut être quand même intéressant. Et à côté de ça, sur son kit, bien sûr, il a une résurrection. Mais pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante. Par la suite, nous avons un autre champion, un autre rare qui est assez méconnu, qui s'est fait connaître un peu avec certaines OP de raid. Quand vous créez un compte, vous avez accès à Tiss Sortilège. Tiss Sortilège, on la connaît peu, mais elle fait un soin instantané, c'est ça qui peut être pas mal. Elle a une aura de vitesse dans les cryptes de faction avec une base de vitesse à 101. Elle pose une augmentation de taux crit fort, version forte, sur tous les alliés, mais par contre une augmentation de vitesse version faible de 15%. Et à côté de ça, elle fait le soin, donc soin de tous les alliés à hauteur de 15% de leur PV max à eux, encore une fois. Et ça a 3 tours de temps de recharge. Et ici, les soins, ce n'est pas de l'additif, mais du multiplicatif. Donc on ne va pas être à 45% de soins. En réalité, on sera un peu au-dessus de 20%. Donc voilà, Tiss Sortilège. Elle a un kit pas trop mal, elle a des stats de base avec une défense correcte, des PV un peu faibles par rapport à d'autres soutiens, notamment je pense aux gardes reliquaires. Mais voilà, son 1, c'est une possibilité de placer de la réduction de précision, c'est pas vraiment utile en réalité. Au niveau des autres champions, on va parler d'un nouveau champion qui est les rejetons démoniaques, et c'est assez rare de voir ce type de compétence dans les rejetons démoniaques. Il s'agit de l'abyssal. Abyssal d'ailleurs, il y a Murdering qui avait fait une vidéo dessus pour farm de la campagne à la même manière qu'un bugler, mais avec du coup ce champion là. C'est un soutien. Donc qui dit soutien dit attaque de base pas terrible, il a quasi 1000 de défense, 95 seulement de vitesse, mais à côté de ça il a un kit intéressant avec notamment une vitesse dans l'équipe de faction de 16%, une augmentation de défense de 30% et d'attaque de 25%, donc les versions faibles sur 4 tours de temps de recharge. Ici, bien sûr, soigne tous les alliés à hauteur de 15% de leur PV max, 3 tours de temps de recharge, avec ici pareil on est un peu au-dessus de 20% une fois book. Pourquoi je l'ai placé devant le Tiss Sortilège? C'est parce qu'en fait, sur son kit, elle a de l'augmentation de def et d'attaque, ce qui est en général sur pour des early games plus intéressant sur du donjon que le kit de la Tiss Sortilège. Et à côté de ça, son attaque 1, c'est une attaque de zone qui a une petite chance, donc c'est 30% de chance de placer un debuff, blocage des buffs pendant 2 tours, qui en PvE peut être relativement intéressant pour éviter notamment, je pense, que le roi Hérole, etc. se pose des buffs, ou d'autres personnes, notamment sur le chevalier de feu, ou le blocage des. Le renvoi de dégâts, par exemple, sur la vague 2 du golem de glace, qui peut être très 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 ennuyeuse. Mais avec un abyssal, vous pouvez peut-être faire sauter cela. Ensuite, on va passer
sur du un peu plus fat, et on va parler également en elfe noir. Vous le connaissez, c'est le garde douleur. Le garde douleur qui est utilisé surtout sur les compos intuables, mais également, moi, il m'a servi de soigneur sur ma crypte de faction, sur tous les étages, hein, jusqu'à l'étage 21, parce qu'il a cette compétence 2, qui attaque tous les ennemis, puis soigne tous les alliés à hauteur de 15% de CPV max à elle, à cette garde douleur. Sachant que c'est un perso à basse PV, le soin sera plus élevé, donc en fait, autant pour la survie de vos tanks, ça peut être un peu en dessous de si ça avait été 15% de leur PV max à eux. Mais par contre, en fait, les personnes qui ont le plus besoin de soins, souvent ce sont les soutiens et les persos attaque, qui n'ont pas beaucoup de PV. Et donc 15% de ces PV max à elles, sachant qu'en plus ici on a beaucoup de soins augmentés, franchement c'est bien. Et en plus c'est une attaque qui fait des dégâts aux ennemis. Non seulement vous faites des dégâts, en plus vous faites du soin non négligeable, à côté de ça dans son kit bien sûr. Elle peut réduire d'un tour la durée de temps de recharge de toutes les compétences alliées. Elle a un buff PV de 21% d'alifaction. Et ici, elle a une possibilité de remplir de 10% le compteur de tour de ce champion. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est sympathique. Un kit très sympa. Elle a une base PV à 19320 pour un perso PV, c'est bien. Une vitesse à 102. Et c'est pour ça que le garde douleur... il est bien, mais pas quand boss de clan. C'est pas que pour l'ultra cauchemar. Pensez-y, le garde douleur peut être une bonne option pour faire beaucoup de choses. J'ai, lors de reviews que j'avais faites pour des abonnés, la garde douleur fait du très bon soin, notamment, je pense, au donjon du dragon, parce que c'est l'objectif de tout nouveau joueur, passer le donjon du dragon, l'antre du dragon, étage 20. Et le garde douleur permet de faire du soin, et ça permet vraiment de maintenir toute l'équipe. Donc n'hésitez pas si vous avez garde douleur. C'est un bon soin instantané. Je précise bien, c'est un soin instantané. Et en dernier, j'en ai déjà parlé, c'est le papy Avir. Avir l'archimage, qui est également bon au niveau des soins, parce qu'en fait, son kit, ici, il remplit le compteur de tour de tous les alliés de 15%, donc un boost ATB sur 4 tours, et en plus, il soigne à hauteur de 15% des PV max de ce champion à lui. Donc, ok, il a une base de PV à presque 17 000, mais forcément, le monter avec énormément de PV n'est pas forcément facile. Mais dans tous les cas, avec en réfléchissant un peu à votre stuff, vous pouvez et le mettre rapide et avec pas mal de PV. Et donc, il vous fera du soin non négligeable sur tous les alliés. Ça a 4 tours de temps de charge. Et pourquoi il est premier? C'est également parce que sur son kit, il a une réduction d'attaque de 25%. Une réduction de vitesse sur toutes les cibles affligées de debuff poison, donc si vous avez Kael en starter, c'est très très vite fait. Et ensuite, sur son 1, il a une chance de placer un poison, donc c'est aussi un debuff qui peut être sympa. Boss de clan, entre du dragon, même golem de glace pour éviter de faire proc la vengeance, la vengeance glacée. Donc voilà, Avir, l'archimage est vraiment top. C'est du soin instantané. Il a quand même un kit intéressant. Il a un boost ATB au passage. Donc voilà, c'est ça qui le rend intéressant. Et en plus, sur la faction naine, souvent, les gens manquent de nains pour passer la faction. Je n'ai pas eu la chance de l'avoir parce que je l'avais utilisé pour une fusion. Il est apparu lors d'une fusion, donc je l'avais food. Et je n'ai pas réussi à l'avoir. Et il m'aurait grandement facilité les factions, même si aujourd'hui, j'ai fini. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était tout sur les personnages qui sont capables de faire du soin instantané. Plus tard, on verra d'autres champions avec d'autres mécaniques de jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement, quel aurait été le vôtre. Je précise qu'il s'agit de mon opinion sur les personnages et sachez que je les ai longuement étudiés pour pouvoir faire ce petit, cette petite tier list. Et à côté de ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous pouvez me retrouver sur Twitch le mardi matin, mercredi après-midi et jeudi soir, sur YouTube bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !